Salut, bonjour. On m'a fourni un petit extrait d'une session de Remote View du Farsight Institute qui traite, donc vous savez, ils font une nouvelle série qui va étudier ce qui se passe dans le mois à venir du point de vue des activités humaines, mais pas que. Alors, ils vont aussi rajouter ce qui va se passer dans le mois à venir au niveau des activités des ITI. Je ne saurais trop vous dire à quel point je suis ravi. Pourquoi? Eh bien, de la même manière que Courtney Brown, ici à l'écran, nous le dit, ce n'est pas parce que ceux qui nous dirigent font des projets à l'avance qu'on ne devrait pas s'y intéresser. Ce n'est pas parce qu'ils s'occupent de magouiller dans notre dos que nous, on ne doit pas savoir de quoi il s'agit. Et ça, c'était pour le niveau humain, et il en est de même pour le niveau ZT. Alors, c'est un extrait de la session justement en question, qui est publié, je crois, en début de mois, ou le 15 du mois. Donc, a priori, le 15 du mois dernier. Et jusqu'à présent, il y a eu des perceptions de ZT qui sont là alentour et qui regardent ce qui se passe, plutôt en tant que spectateur. Mais Courtney Brown nous fait une mise au point intéressante, intéressante, pointue, hein, une mise au point pointue. Donc, je vais revenir au début de façon à être assez précis dans ma traduction, quand même, de temps en temps. Hein. Donc, il nous dit que parfois, jusqu'à présent d'ailleurs, leur but n'était pas que l'observation, mais plutôt aussi et d'abord la manipulation. And a consistent theme in many of Harper's investigations involves ET attempts to control or influence human mass society in the ancient past. And there isn't. Donc, qu'à de nombreuses reprises, on a remarqué que ce que faisaient les ET, c'était de manipuler la société humaine, notamment dans le passé, mais bon, donc ça continue. Il serait naïf de penser que toutes ces tentatives et pas que tentative, se soit arrêté aujourd'hui et cessé maintenant. Leurs tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès. Certaines peuvent être même déplorables comme résultat. Mais il est intéressant de constater que certains ET ont cette mentalité et continuent de vouloir tenter d'influencer. En cas, évidemment, si on en prend la version Linda Moulton-Hoove, qui ne nous sort pas beaucoup de nouvelles exopolitiques ces temps-ci, raison pour laquelle aussi je m'abstiens d'en parler. Enfin, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Mais la semaine prochaine, là, elle va nous faire un truc chaud, paraît-il. C'est elle qui l'a dit dans sa session de la semaine dernière. Où elle parle de quoi? Elle parle de phoques qui ont été retrouvés en bande sur une plage. Petit problème, il leur manque la tête. Il manque que la tête. Certaines des têtes, il y a le squelette. Encore, il reste plus que le crâne. Et tout le reste du corps est intact. Et en général, il manque la tête et des fois les pattes. Alors, elle nous parle aussi d'une invasion de frelons chinois. Elle nous parle, enfin, de trois bricoles comme ça. Et elle nous fait tout un pataquès à propos du coronavirus et du futur vaccin et des trucs comme ça. Donc, quelque part, je n'en démords pas. Linda est vraiment issue de la culture médiatique, hein, quelque part.
elle croit dans les vaccins, quoi. Donc, je me suis permis de laisser un petit commentaire, mais pour essayer de la renseigner, hein. Il y a un petit documentaire qui s'appelle « Pour en finir avec Pasteur ». Bon, si elle me le demande, je lui traduis en français, en anglais. Je me la joue un peu, là, quand même. Bon, ben sinon, elle est pleine de remerciements et de gratitude envers le personnel médical qui se dédie à ce travail, à cette profession qui, en ce moment, n'est pas soutenue. Alors, en encart, je vais dire aussi qu'à New York, il y a des gens qui ont dit ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est terrible, le personnel de santé est en train d'assassiner quelque part les patients, soit en les traitant mal, soit en ne les traitant pas, soit... Puis on se rappelle ces vidéos bizarres d'équipes de santé qui sont en train de danser. Hein? Tout va bien. C'était très louche, quoi. Bon, c'est pas pour critiquer, c'est pour parler. Voilà. C'est pas pour dire, mais c'est pour parler. Salut Didier. Reprenons. Donc, les ITI qui ont la mentalité, ben, il y a plusieurs genres de ITI, hein, on est bien d'accord. Ah ben, voilà, pourquoi je parlais de Linda, c'est parce qu'elle nous a, par contre, dit, elle, ah, parce que des fois, elle est très pointue quand même, hein. Attention, je critique pas à sens unique, hein. Critique, c'est positif comme négatif, hein. C'est ma mère qui disait ça, hein. Vous êtes toujours en train de râler sur la bouffe, mais quand c'est bon, vous ne le dites pas. Critiquer, ça veut dire les deux. Quand c'est bon, tu dis que c'est bon aussi. Alors, on l'a rassuré, on disait, mais non, tu te trompes, c'est toujours bon et on te fait marcher. Mais bon, là, quand même, c'est pas très cuit. Je plaisante. Alors, Linda nous avait dit qu'il y a quand même trois espèces de ziti qui sont en train de se tirer la bourre et de se mettre des bâtons dans les roues quant à l'évolution, la tournure que prend l'évolution de l'humanité, la tournure que prend l'expérience humanité, c'est nous. C'est nous. On sort d'une éprouvette. On sort de plusieurs éprouvettes. Et les laboratoires, là, ils se tirent la bourre. Ouais, les laboratoires, alors nous on est du P6 ou du P7. L'humanité. Et depuis 270 millions d'années à peu près, hein. Alors, vous inquiétez pas, quoi, ça date pas d'hier. Et ils vont et ils viennent et. Et en Antarctique, il y a des vestiges, il y a ces structures immenses, hexagonales, a priori hexagonales, en basalte noir, gravées de hiéroglyphes, vous savez, qui sont, vous rentrez dedans, elles sont dans un tas de marches. Il fait une température ambiante, 18 degrés, à peu près, je crois. Le plafond a l'air de tenir tout seul. Et les lumières s'allument quand vous avancez. Et les lumières s'allument toutes seules, évidemment. Oh, moi, je pense que c'est une question d'interférence de votre propre champ électromagnétique avec la situation locale, vous voyez. Mais bon, interprétation personnelle. Et donc, je crois que c'est à ce propos-là, d'ailleurs, qu'elle va revenir la semaine prochaine. Je ne me rappelle plus, là, j'ai un trou. C'est que je m'en suis fait deux, trois hier, deux, trois vidéos de deux, trois whistleblowers. Et ça me fait beaucoup de matos, là, je suis un peu confus. Il faudrait que je la traduise au mot le mot. Donc, ce dont nous parle Courtney Brown là, en tant qu'interférence, mais en général plutôt qu'un suivi de l'expérience première, ou des tentatives de hackage, de hacking,
de détournement de l'intention première d'une autre espèce, à moins que le régime, leur régime politique ait changé et que ce soit une nouvelle orientation, un nouveau plan quinquennal. Et donc, de quoi on a parlé l'autre jour ? On avait parlé du fait que les religions avaient été... Tous les papes ont été hackés mentalement. Les trois derniers papes ont été hackés mentalement, oui, en tout cas. Ils ne sont pas seuls dans leur tête. Mais ce qui correspond au thème global de l'intervention d'une espèce surhumaine, que je qualifie de psychosociopathe en général, qui a donné lieu à l'édiction d'un certain nombre de règlements, de règles, qu'on peut traduire soit par philosophie, soit par yoga, soit par religion, et qui mêle le bon et le moins bon, voire le mauvais, dans de plus ou moins gros pourcentages, les uns par rapport aux autres, de façon à nous maintenir dans un état malléable, gérable, contrôlable. Et ces derniers temps, en tout cas, dans le cycle vicieux des incarnations. Ce n'est pas le sujet, donc je vous passe. Donc là, on va écouter Camia Dunson. Donc, Camia nous décrit là la situation de sujets qui sont dans une soucoupe au-dessus d'une agglomération au sein de laquelle il y a ce bâtiment carré, n'est-ce pas ? À propos d'Irimodiu que j'ai traduit en avant-dernière vidéo, je crois, le port en question pourrait être Djeba, d'après Kerry Cassidy, qui donc elle aussi est abonnée. Reprenons. Elle nous décrit de l'eau, là, pas très loin. L'ambiance générale est assez désertique, c'est-à-dire que dans cette région-là, il y a aussi comme un couvre-feu, enfin pas comme un couvre-feu, mais un lockdown, un confinement, on dit en français, pardon. Cette structure principale qui est dans le style Renaissance se fait envahir par une certaine énergie, une énergie qui la fatigue, qu'elle ressent comme la fatigant. L'énergie vampirique habituelle, quoi, a priori. Il y a plusieurs ovnis dans le ciel. Quand il parle d'avion, c'est aussi des structures au-dessus de la surface. Non-surface structures. Mais quand c'est des avions, ils perçoivent les ailes pour différencier. Ils avaient fait un remote view sur l'aéroport de Denver, dans lequel, à propos, ils n'ont rien vu de particulier. C'est étonnant. Enfin, une d'entre elles continue à avoir des doutes parce qu'elle a vraiment senti quelque chose de très bizarre là. Mais les autres n'ont rien vu de particulier, à part des espaces de stockage couramment fermés, sans lumière, sans... Enfin. Donc, a priori,
Il y a des parties de l'aéroport qui n'étaient pas en activité lors de ce remote view, l'aéroport de Denver. Et puis moi, je rajouterais que, comment dire, ils savent depuis des années qu'il y a des remote viewers qui espionnent les faits et gestes occasionnellement ou précisément de tout le monde. Ils ont des moyens de créer des barrières psychiques, on va dire, qui bloquent le remote view. Et des fois, même lors des remote view, vous arrivez dans un endroit, il y a des gardiens qui vous empêchent d'aller plus loin. Ils sont là, ils vous bloquent. Une forme énergétique, noire ou pas noire, mais qui vous dit « stop, tu ne vas pas plus loin ». Et des fois, même on sait que donc, les Russes avaient appâté les Américains à venir les remote viewer pour les induire sur de mauvaises pistes. Donc, ils avaient fait des bricoles en se sachant remote viewed, en anglais, remote viewed, donc, par les Américains. Et ils ont joué le jeu. C'était un bluff, une diversion, si on peut dire. Donc, vous voyez, il y a plein de situations hein, qui peuvent se produire. Donc, elle nous décrit la ville, l'eau dans le fond, les bâtiments. Et elle dit qu'il y a trois ovnis en l'air et que l'énergie qui imbibe le lieu à cause des ovnis, hein, sous-entendu, est vraiment très immobilisante sur les gens. Les gens sont vraiment passifs. Ils ne bougent pas. Ça les bloque. Le côté fatigue qu'elle ressent, là, a priori, c'est épuisant sur place, quoi. J'élabore un petit peu autour de ce que je crois comprendre. Donc, cette énergie est très, très bloquante et elle fait une référence à un film de science-fiction qui s'appelle Annihilation, où il y a des aliens qui arrivent et qui imbibent tout et qui changent la nature même des gens. Qui les transforme, qui les ramène à leur cause malgré les gens, qui deviennent tous des traîtres envers l'humanité hein, et sans pitié. À part évidemment l'héroïne et ses enfants, etc. Mais bon. Donc l'énergie est bel et bien émise par exemple l'OVNI central. Hein. Pas que central, hein, d'ailleurs tous émettent cette énergie. Et cette énergie-là finit par faire en sorte que les sujets, le peuple alentour, les gens, se transforment en zombies, se sentent comme des zombies, plutôt. Elle ressent cette énergie comme luisante, vous pourriez presque la voir. Plus vous êtes proche de la source émettrice, plus elle est visible à la limite. Et elle se dissipe. Comme le faisceau d'une lampe de poche. Hein, tout près de l'ampoule, c'est très brillant, et puis quand vous éloignez, la luminosité s'estompe. Le sujet principal, je pense, dans l'OVNI, où le chef de l'expédition, là, a une peau plutôt sombre, de très grands yeux. Il ressemble un petit peu à E.T. avec sa peau ridée, sombre, ses gros yeux. E.T. dans le film de Spielberg. Mais grand. Il serait un peu plus grand qu'elle. Il n'a pas de cheveux. Et je dis il. Hein. C'est un sujet mâle. M-A-L-E. Quand elle se branche dessus, il y a un côté avenant de sa part. Mais elle ressent immédiatement l'émotion contraire aussi, peut-être de défiance, on va dire. Il a un très long cou. Il est sinon humanoïde de forme générale, mais sa tête est tout à fait genre E.T. alien. Elle ressent des sentiments de colère et de haine de la part des sujets. Donc de la soucoupe est émise cette émotion de colère,
de haine. C'est donc une émission par Armes et Énergie dirigée, de façon à prendre le contrôle mental de la foule en lui mettant comme émotion la haine et la colère. Elle ressent de la part des sujets au sol le sentiment que normalement il devrait être au contrôle, contrôler les choses, et que là il ne contrôle pas les choses. Et ensuite on passe à la session de Melena Hall, qui va ressentir une grosse activité de drones aliens, les drones ET. Ce qui n'est pas inhabituel. Par contre, là, l'intention de ces drones, l'activité à laquelle ils sont employés, est particulière et on va s'y intéresser. Donc, la scène se situe au milieu de l'océan, un océan aux eaux très bleues, différents bleus, mais le bleu profond de l'océan. Dans le lointain des structures, donc on est à quelques miles de la côte, on est un peu offshore, quoi. Pas vraiment, puisqu'on les voit. Quand vous êtes offshore, vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien de la côte, je veux dire. Elle définit une structure en pointue et en arche. Le grand hall de Sydney, je dirais, moi, comme ça, là. Vous savez, c'est des coques, des sortes de coques, à moitié ouvertes. Enfin bon. Dans l'eau, là, elle nous décrit une grande structure allongée, sombre, fabriquée, hein, faite à la main de l'homme, mais qui peut faire plus que flotter. Alors, je ne sais pas si c'est un sous-marin ou un aéronef, on ne sait pas encore. Avec beaucoup d'humains à bord, en plus. Elle décrit une énergie au-dessus du bâtiment avec plein de drones au-dessus. Les sujets à l'intérieur du bâtiment sont plutôt préoccupés. Donc, elle nous refait le dessin, là, vu de la Terre, on va dire, avec la structure qui ressemble vraiment à ce bâtiment de Sydney, là, auquel je pense, bâtiment blanc, avec le bâtiment noir au loin dans la mer. Au-dessus, l'énergie qui emballe, on va dire, les drones. Il y a aussi un ovni, là, aux alentours, on va dire, qui émet une grosse énergie. Elle est très petite, cet ovni est petit, elle ne ressent pas de sujet à l'intérieur. L'ovni se déplace très rapidement dans le ciel, il a un champ magnétique propre autour. Il apparaît de ci, de là, à toute vitesse. Il est autonome, c'est un drone autonome. En s'intéressant à l'origine de l'OVNI drone, elle arrive dans un endroit où il y a des humanoïdes, mais qui n'ont pas de cou du tout. Ils ont une tête, un visage humanoïde, mais pas de cou du tout. Il n'y a pas d'atmosphère respirable, et donc c'est à côté d'une sorte de ville où il y a une énorme tour. Il y a sur Mars des tours comme ça, mais je ne dis pas que c'est sur Mars, hein. Des tours qui font 5 km, 8 km de haut. Kilomètres ou miles? 5 miles, 8 km, bon, on va dire, un truc comme ça. De toute façon, déjà, un kilomètre de long pour un immeuble, c'est pas mal, non? Mais là, ça en fait entre 5 et 8, quoi. On a pu repérer ça sur Google Earth Mars. Mais je dis, elle n'a pas dit que c'était sur Mars, hein. Elle écrit un autre endroit, une autre planète. Les ET en question sont plutôt petits. Ils ne sont pas de la Terre, mais ils sont en relation avec la Terre. Leur état d'esprit est un esprit de conquête. Ils se sentent très sûrs d'eux. En cas, on est mal. Ah, le chat à la rescousse.
Ils sont plutôt genre arrogants. Il a un état d'esprit robotique, mais il a un corps très humanoïde. Donc, si j'ai bien compris, il est ailleurs sur une autre planète. Il dirige à distance le drone qui est au-dessus de du porte-avions. Je ne sais pas si c'est un porte-avions qui ne fait que flotter ou un sous-marin. Il est au courant, quelque part, il est au courant de l'activité des drones du sous-marin porte-avions plateforme maritime humaine, mais technologie avancée, puisque ça ne fait pas que flotter, hein, elle a dit. Il est excité, mais pas comme s'il s'amusait. Ils sont un groupe de leaders, il n'est pas tout seul dans cette situation-là, on va dire. Situation et état d'esprit de conquête. Ils viennent de cette base étrange, très très loin d'ici. Ils sont très intelligents et malgré tout, ils sont là dans un état de focalisation avec une excitation très bassement humaine. Genre bassement humaine, se dédiant à une tâche méprisante. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Hein. Ce n'est pas le sens qu'elle voulait donner. L'idée qu'elle voulait donner, c'est malgré le fait qu'ils soient super intelligents, là, on les voit en train de faire une connerie, on va dire, avec grande application. Connerie, c'est moi qui interprète connerie pour donner une idée de la différence entre l'état d'esprit possible et celui qui est là en action. Mais bon, c'est aussi son jugement de l'état d'esprit possible qui me fait dire ça. Enfin, reprenons. Donc, Courtney Brown nous fait un petit récapitulatif dans lequel il dit donc, on est face à toute une variété d'activités IT. En fait, il y a plusieurs autres remote view dans la session générale. Je ne les ai pas traduits là. Il y a une certaine intention de la part des aliens de participer à l'état d'esprit politique de contrôle total exercé en ce moment par certains humains. En car, je dirais que c'est les humains qui bossent pour eux par proxy. Hein. Reprenons. Certains des IT seraient plutôt favorables à augmenter la conscience humaine de leur présence, avec comme preuve le fait que les remote viewers ou viewers n'ont pas été bloqués lorsqu'elles ont été sondées l'état d'esprit des IT en question. Mais vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas un sentiment général parmi les différents groupes d'IT qui interviennent sur Terre. Il y en a qui préféraient qu'on ne sache pas du tout, sous-entendu. On va reprendre, on va essayer de tout faire. Et il nous dit que le remote view est basé sur la capacité quantique de notre univers. Et il nous dit donc qu'il y a plusieurs timelines probables, possibles, et que les remote view peuvent ne pas s'avérer vérifiés parce qu'en fait, ils qualifiaient une autre ligne de temps, timeline. Bien. Alors, comment dire? Pour moi, le futur est écrit. Il est écrit car si vous voyez le futur, c'est qu'il s'est réalisé. Et si c'est réalisé, c'est que tout a été fait entre le présent ou le passé et le moment du futur qu'on regarde. Tout a été fait pour arriver à ce genre de situation-là, à cette situation-là. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'autre futur que celui qui est. Mais c'est juste ma version des choses. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent autrement. J'aimerais juste que logiquement, ils m'expliquent pourquoi. Si on se base sur une fuite du temps linéaire, ce qui n'est pas le cas, je sais, mais bon, d'hier à aujourd'hui, ça a été en ligne droite le temps.
pour moi en tout cas, et pour les chats, et enfin, ils n'ont pas fait autre chose, et moi non plus, j'espère, quoique. Et j'ai sacrément mal au crâne, j'ai dû prendre une cuite galactique. Bon, donc du coup, ben voilà, si hier on avait remodulé ma matinée, on me verrait là maintenant en train de me fendre la gueule à la suite d'un gag et d'allumer ma clope. On ne verrait pas en train de boire une bière parce que je suis au café. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il n'y a pas d'autre timeline. Il n'y a pas eu une bombe explosion atomique cette nuit qui a fait que ce matin, on habite à Tchernobyl. Il n'y a pas eu d'autres événements qui m'auraient amené, par exemple, à ne pas faire cette session ce matin. Quelque part. Voilà, c'est ma vision de la chose hein, par rapport au timeline. Mais bon, dans un univers quantique, il y a plusieurs timelines possibles, a priori, d'après Courtney Brown. C'est la raison pour laquelle, des fois, il peut y avoir des séances de remote view qui ne s'avèrent pas vérifiées dans notre actualité, actualité future. Voilà, si ça se trouve, cette scène ne se passe pas. Bon, j'ai du mal à... logiquement, pour voir faire cohabiter ces deux idées. Mais bon, ceux qui ne croient pas dans le remote view vont dire ouais, c'est la belle excuse pour nous dire n'importe quoi, et puis en fait, c'est même pas vérifié. Vous voyez, j'ai quand même cet état d'esprit aussi qui me taraude un petit peu. Non pas parce que je n'y crois pas, mais plutôt parce que là, il y a un problème pour moi dans la fiabilité du remote view. Mais on a eu de nombreuses preuves de vérification. Alors, de quoi ça dépend ? Hein, ben de l'art et du talent du remote viewer et de la méthode qu'il emploie, je dirais. Et puis peut-être maintenant que les ITI, eux, savent manipuler le temps autrement et puis faire changer les choses, faire changer le futur. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? En imaginant que quand on voit le futur, on le voit bien et c'est réalisé, qu'est-ce qu'on aurait vu ? Donc, une autre timeline, une autre ligne temporelle qui n'est pas censée exister pour moi. Mais enfin, vous voyez, le sujet est complexe dans ma tête là. Je ne veux pas vous embrouiller plus, mais bon, continuons quand même. Bon, il nous dit quand même que les timelines en question sont assez semblables. S'il y avait une guerre galactique future, on n'aurait pas comme un indice des sentiments de paix. Voyez. Par contre, il pourrait y avoir diverses issues à cette guerre galactique sur lesquelles il pourrait y avoir une erreur, mais le thème général, c'est une guerre galactique. Bon, c'est un exemple, hein, je ne dis pas qu'il va y en avoir une. Il ne va pas y en avoir une, il y en a déjà une. Depuis belle lurette, et souhaitons qu'elle cesse bientôt. Ah, petit encart, il y a des gens qui espèrent encore le retour de Marduk. Il ne faut pas, ce n'est pas la peine. Et autre encart à propos de Shane the Ruiner, dont on s'est servi d'une interview pour parler des Anunnaki, des parents et des Illuminati, si vous vous rappelez. Si vous avez vu cette vidéo dernière que j'ai faite là, il y a un mois, deux mois. Donc, lui, c'est un fils bâtard de Anu. Lui aussi, on va dire. Hein. Ben, il y a eu de nombreuses occasions, des cérémonies au cours desquelles une femme s'est faite féconder par ce Draco. Et ce Draco est en guerre quasiment, hein, a priori, avec la reine Draco, dragon. Vous savez, c'est Orion contre Sirius, quelque part. La reine d'Orion contre les Syriens, si j'ai bien
si je ne me trompe pas trop. Donc, ben voilà, il y a des humains qui espèrent que l'ancien plan de prise de contrôle de la planète par les dracos patriarcaux qu'on subit encore va revenir. Et a priori, non. A priori, ils se sont fait virer. Ils se sont fait virer. Et donc, aujourd'hui, il ne reste plus que des humains qui ne sont plus secondés par les entités draco qui leur amenaient des secours, on va dire, des vivres, de l'énergie, des munitions, un support logistique, intellectuel, tout ce qu'il faudra, hein, intelligence artificielle, je ne sais pas, vision du futur. Tout ça, là, c'est maintenant, hop. Donc, aujourd'hui, l'humanité doit pouvoir planter les pieds dans le sable, couper son élan, s'asseoir, sortir de l'ornière, regarder où elle en est, faire demi-tour, hein, ce que je dis d'habitude, ou en tout cas, se prendre en charge par elle-même, ne pas attendre de sauveur externe, et puis, elle peut nettoyer toute la corruption qui a été instaurée par ces millénaires de domination malsaine. On va continuer. Donc, il y a Princesse Jeannet qui nous fait une session, là, maintenant. Donc, elle nous décrit une assemblée dans une pièce avec des chaises placées symétriquement, des gens qui sont concentrés à l'extérieur, un ovni brillant, dans un décor général de urbain, avec des grands bâtiments, de l'eau alentour, c'est-à-dire une rivière ou un lac, hein, pas forcément de la mer, je ne sais pas. Donc, l'objet brillant émettant une lumière, mais comme une aurore boréale. Parmi les personnages, elle se focalise sur un cheveu brun qui semble être au contrôle, mais ne pas avoir sa tête à lui, être sous contrôle aussi. Et ils ont un problème. Ils devraient être au contrôle de la situation, mais qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'ils n'y sont plus. Elle a bien le sentiment de contrôle mental. Lui-même a une personnalité très manipulatrice. Mais ce n'est pas un alien, hein, ou un E.T. Les autres personnages, peau claire, les cheveux châtain brun, il a un état d'esprit, l'autre, le grand, très humain, mais très avancé. C'est une pointure, on va dire. Et il lui a été demandé de se concentrer sur un sujet qu'on va appeler X, et dont elle ne connaît pas l'identité. Et elle va dire qu'il a le même état d'esprit que la première personne dont on a parlé, sauf qu'il est beaucoup plus calme, pragmatique, mais avec la même énergie que le premier sujet, le sujet qu'elle appelle A. Et donc, ce sujet X, c'est en fait Trump. Trump, donc, qui serait lui aussi plus ou moins sous contrôle mental, mais qui gère la situation de manière beaucoup plus calme. Il est clair que Trump est au courant de plein de choses. S'il veut faire les Space Marines, ce n'est pas pour rien. Son oncle était très proche de Nikola Tesla. Il a bossé sur la récupération des travaux de Tesla à la suite de la disparition de Nikola Tesla. Il est clair que Trump est au courant de beaucoup plus de choses qu'il ne semble en être. Mais bon... avec cette chute du prix du pétrole, je ne vois pas de gens qui diraient que c'est l'occasion idéale pour changer de type d'énergie quand l'économie va reprendre. Autant la faire repartir directement avec l'antigravité, avec les énergies libres et tout ça. Mais bon, le but, leur but, quel qu'il soit, n'oublions pas qu'il y a plusieurs états profonds et que globalement, il n'y en a aucun d'entre eux
qui désirent nous voir indépendants, nous les humains, le peuple. Et que si on accède aux énergies libres, on fait après ce qu'on veut quand on veut, hein, dans la mesure d'une société intelligente. Hein, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, la vie va continuer de manière calme et respectueuse, sauf qu'on aura beaucoup plus de temps libre pour nous, puisqu'on n'aura pas à travailler pour payer pour des énergies non seulement polluantes, mais qui devraient être en fait gratuites. Donc, ni travailler, ni prendre ces sources, ces gisements de pétrole et de gaz, ou d'uranium, ou d'or, comme raison pour des conflits. On serait dans un monde où on partage, hein, et où on s'unit dans une idée d'évolution commune de l'humanité. Et il y a déjà énormément à réparer avant d'imaginer qu'on va tout de suite monter d'un niveau technologique de manière généralisée. Il y a à réparer et à préparer. Il y a énormément de gens qui n'ont vraiment pas du tout le niveau mental pour comprendre ce que je suis en train de dire et imaginer ce que je suis en train de dire. Accepter la présence des E.T. comme accepter l'existence même des énergies libres. Il y en a encore qui trollent. Quand vous parlez d'énergie libre, ils disent « Ah, puis quoi encore ?» La loi de machin, la deuxième loi de thermodynamique, en oubliant, ne sachant pas d'ailleurs en fait, que toutes ces lois-là sont partielles. Il en manque. Il manque des niveaux de connaissances aux universitaires aussi. Hein. Parler de scalaire, et qui va vous répondre en disant « je m'y connais ». Bon, moi je m'y connais pas, je sais qu'elles existent, mais je sais qu'elles font partie justement de l'arsenal employé par les armes à énergie dirigée, certaines armes à énergie dirigée. Je sais qu'on s'en sert dans le contrôle mental à distance, je sais des choses comme ça, mais je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant par rapport à la première session qu'on a faite, c'est qu'il y a des humains qui sont qui n'ont pas que l'état d'esprit humain, qui sont dans un plan, là, il y a une opération en cours, par exemple, et opération en cours qui ne se déroule pas selon les plans qu'ils avaient prévus. Et ces humains-là sont des pointures, mais ils ne sont pas les seuls aux commandes, a priori, ils sont un peu sous contrôle mental, plus ou moins, et ils réagissent plus ou moins placidement à la déviation dans l'opération qui est en train de se dérouler. Alors, en quart total, élucubration totale de ma part, voilà, ils veulent tous qu'on soit pucé, ils vont prendre l'exemple, l'excuse de la vaccination, si la vaccination existait, mais ça, le peuple ne le sait pas. Le peuple croit que les vaccins existent, le peuple croit tout ce qu'on lui a dit. Et il y a même des toubibs qui font ça, mais bon, quand on sait qu'ils sont payés pour déclarer des cas faux de Covid, ils sont payés. Carrément. Ils sont payés quand ils vaccinent, ils sont payés. Oui, non, mais c'est une entreprise qui fournit tellement de milliards de chiffres d'affaires que voilà, on peut dépenser 10 000 dollars ou 1 000 ou 500 ou 50, ouais, par chaque toubib. Oui, c'est rien du tout pour eux. Alors, leur plan, c'est de passer par ce biais-là. Et par exemple, il y a des petits malins qui, en ce moment, sont en train de remettre en évidence l'escroquerie Pasteur et le fait que Pasteur était un chimiste qui n'était là que pour redorer l'honneur, le blason, l'état d'esprit du peuple français à la suite d'une guerre dont les conséquences s'avéraient déjà désastreuses du point de vue, en tout cas financier, quant aux dommages et intérêts à payer à la Prusse. Ou à l'Allemagne de l'époque, enfin à la Prusse, je crois, hein, la guerre de 1870. Et on sait que Pasteur quasiment a commis des actes criminels,
comment pouvez-vous prendre une moelle de lapin ou infectée et l'injecter dans un enfant? C'est un empoisonnement, quoi qu'il en soit, quoi. Donc, et puis en plus, il a triché sur les résultats, il a triché à tous les niveaux. Et puis, comme pour tous ceux qui ont critiqué Einstein, tous ceux qui ont critiqué Darwin, il y a eu une collusion de tous ceux qui sont au pouvoir et de leurs gatekeepers et des médias et autres contre les débunkers. Ce qui fait qu'on parle d'Einstein, on ne parle pas de Tesla, ce qui fait qu'on parle de Pasteur, on ne parle pas de Béchamp. Béchamp qui, lui, professeur Béchamp, qui était biologiste, qui étudiait en plus la vie vivante et non pas la vie morte telle que Pasteur le faisait. La vie en activité ou les tissus morts. Hein. Et puis quoi d'autre? On va reprendre, on va continuer parce que je m'égare. Donc, là, je dis, là, c'est la session de Trudy Benjamin. Donc, elle nous décrit un décor avec un ovni qui est plutôt rond, mais de manière irrégulière. Bon, c'est un lieu avec de l'eau à côté, une côte océane, on va dire. L'ovni est en structure très, très dure. Cet ovni émet beaucoup de fréquences, mais il y a aussi une sorte de son qui zappe. Un son qui, comme une crécelle, comme des claquements secs, comme c'est difficile à exprimer, hein, pour elle aussi. Il y a des éléments vivants à bord de l'OVNI qui ont un état d'esprit très content de participer à l'événement qu'on décrit. Cet ovni très lourd qui monte et qui descend, mais doucement, provoque des remous, pas forcément par son mouvement, hein, peut-être qu'il y a d'autres systèmes en cours, provoque des vagues, des remous. Donc, il y a beaucoup d'eau autour de la côte en question, là, de la ville en question, qu'elle a sommairement dessinée là. Je ne sais pas si ça c'est la côte ou ça, si c'est encore la forme du toit qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas. Là, il y a un dôme. Je ne sais pas si c'est la même cible qu'elles ont toutes. Hein. Et je ne sais pas si ça a rapport avec ce qu'on a décrit dans la vidéo d'il y a quelques jours. Donc, avec ce bâtiment naval qui subissait une avarie sérieuse, finissant par répandre sur la surface de l'eau des corps et des taches d'huile. À côté d'une ville où il y avait une sorte de tour, style tour de contrôle, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était peut-être Djeba, en Arabie Saoudite. Elle ressent de manière importante comme des grosses vagues répétitives, ce son-là, ou comme un mouvement répétitif de quelque chose qui tombe à l'eau. Et il y avait aussi ce personnage féminin sur lequel elle se concentrait pour nous dire ça. Et maintenant, la session d'Aziz Brown, qui va nous parler d'une situation d'observation par les ET de l'activité humaine. Ils nous regardent. Je vous dis, souriez. Vous êtes filmés. Vous êtes tous sur scène. On va peut-être pas tous. Je ne sais pas. Hein, j'exagère peut-être un petit peu là. Mais en tout cas, les endroits sur Terre où il se passe des trucs sont sous surveillance, avec intervention ou pas. Hein? Intervention positive ou intervention négative. Oui, parce que si le plan actuel du Nouvel Ordre Mondial, là, c'est de pucer tout le monde avec le plan ID 2020, et qu'il y a des mouvements d'opposition
à cette catastrophe politique et mentale vis-à-vis de nos libertés, de l'évolution humaine, enfin, pour qui ils se prennent, ces criminels. Pour qui se prennent-ils? Parce qu'ils y prennent, hein. On ne leur a pas donné ce pouvoir-là et ils l'ont pris. Et en plus, quand on râle, ils nous massacrent. Donc franchement, ça ne se fait pas. Hein. Ça, c'est clair que ça ne se fait pas. Et donc là, il y a des gens qui… Il y a des ITI des deux côtés, on va dire. Hein. Il y a des ITI qui participent à avoir créé les technologies qui vont nous bousiller nos libertés et la planète. Et il y a des ITI qui participent à soutenir les mouvements de résistance, a priori. Je vous dis, on est là dans une situation où on fait la guerre, on perpétue en tant que proxy leurs intentions diverses vis-à-vis de l'expérience humaine implantée normalement, il y a des millions d'années. Ah, c'est mon interprétation, hein. Donc, sa cible, là, elle se situe dans une zone urbaine très dense, avec des sujets, un véhicule, là, au centre. Donc, il nous refait une vue avec la zone urbaine plutôt dans le lointain, en dessus, un ovni qui brille en couleur orange. La zone urbaine est assez loin de cette espèce de tour métallique de croisillon, comme ça, au sommet duquel je vois comme un losange qui émet des fréquences, hein, qui émet quelque chose, qui émet une énergie. Donc, c'est assez loin. Donc, ce n'est pas la tour Eiffel, a priori. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça avait été la tour Eiffel, la tour, là, la tour de croisillon, elle aurait été au centre urbain. Non, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une zone où il y a une ville à proximité d'un émetteur Maus. L'émission d'énergie est semblable à un gros micro-ondes, nous dit-il. Je pense qu'il parle des énergies qui sortent de la soucoupe. J'ai goûté plusieurs fois, je n'arrive pas à savoir s'il parle de ça ou de ça. Je suppose qu'il parle de la soucoupe, bizarrement. On n'a pas fini, on y reviendra. Non, je me suis trompé. De manière plus logique, c'est effectivement la tour qui émet cette énergie semblable à des micro-ondes très puissantes. Bien, hein? Je ne sais pas dans quel coin c'est, mais il nous grille. Par contre, l'OVNI, qui est vraiment en survol, si on peut dire, enfin en statique, là, au-dessus de la zone urbaine, émet comme une fréquence holographique, un halo style holographique. Il est assez bas, hein, sur la ville. Cette lueur autour de l'OVNI est visible selon plusieurs points de vue qu'il peut prendre autour, mais selon certains autres points de vue, elle n'est pas visible. Il dit, mais si vous étiez en dessous de l'OVNI, vous ne verriez pas. Mais par contre, si vous montez à sa hauteur, de part et d'autre, vous distingueriez dans le flou holographique l'OVNI. Donc là, il est à bord de l'OVNI. Il y a d'autres endroits tels que cette pièce-là dans l'OVNI, avec ce matériel comme mobilier. Ça ressemble à des computers, hein, plus ou moins à des écrans. Et le personnage en question, là, c'est un Ziti. il a une tête assez triangulaire. Je ne sais pas si c'est genre mantis ou insectoïde ou gris, je ne sais pas encore. Leur état d'esprit au niveau émotion est assez vide. Donc, l'état d'esprit, c'est l'observation. L'OVNI arrive au-dessus de la zone urbaine. Il passe en camouflage holographique. Il y a une grande baie vitrée à laquelle vont aller les personnages.
pour observer visuellement ce qui se passe dans la ville. Il ne voit aucune relation entre la tour et maîtrise qu'il a dessinée tout à l'heure et l'état d'esprit des itiles. Donc lui, là, il va se focaliser par exemple sur un homme en bas qui n'est absolument pas au courant de ce qui se passe, ni en provenance de la tour, mais peut-être qu'il en subit les conséquences, j'en sais rien, ni surtout de la présence de l'OVNI. C'est ce qui préoccupe là le Ziti. Il n'y a pas vraiment de mobilier dans cette pièce de la soucoupe, là, dans cette salle de la soucoupe, qui a une couleur comme les couleurs irisées des bulles de savon. Donc, ces Zitis-là n'ont pas d'intention particulière, ils sont juste en observation et ils observent des sujets qui n'ont aucune idée qu'ils sont là. Donc, a priori, ils sont opaques au radar aussi. Hein. Et ils ont une soucoupe avec une superbe vitrée tout autour. Ça, c'est bien, ça. Bon, Lou Baldin nous décrit des vaisseaux tout à fait opaques, mais quand vous êtes à l'intérieur, ou que vous regardiez, la paroi vous permet de mieux voir ce que vous êtes en train de regarder à l'extérieur. C'est intéressant, ça. Comme matos, c'est super intéressant. Et voilà, et donc là, on en revient à elle. Donc, on a fait le tour, ce coup-ci. Et là, ce coup-ci, elle nous décrivait une scène où il y avait interaction, par contre, entre les Ziti et les humains en bas. Bien, écoutez, c'était un petit encart remote view. Je vous remercie de l'avoir suivi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, les manifestations OVNI peuvent ne pas être perçues, mais qu'il y en a, qu'à bord, ce sont des ETI non humains, que des fois, à bord, il n'y a personne, que c'est un drone, et qu'il est dirigé depuis d'autres ETI, depuis une planète a priori lointaine, d'ailleurs. Et eux n'ont pas tout à fait les mêmes intentions. Hein. Ils étaient un peu plus conquérants dans leur état d'esprit. Et qu'on a parmi nos dirigeants des gens qui sont des fois très suivis, mais qui ne sont pas aux commandes libres de leurs intentions et de leur mental, qui sont interférés, même s'ils ont un niveau intellectuel haut de gamme. Bon, quoi dire, ça n'a rien d'inquiétant, rien de changé sous le soleil, c'était déjà comme ça hier, hein, cette situation-là. Pas d'affrontement entre différents clans Iti, a priori, des interactions à des endroits différents, avec des intentions différentes, et beaucoup d'attention sur la manière que nous avons, nous, de nous comporter. Alors, dans les encarts, je dirais que nous sommes dans une période où il est essentiel de faire en sorte d'avoir des intentions vis-à-vis des autres qui soient supérieures à la somme des intentions vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire d'être plus dévoué au service des autres qu'au service de son propre ventre. Donc, au moins dans une balance de 45 à 55. 55 dévoués aux autres, STO, et 45 STS, au mieux pour les personnes qui, jusqu'à présent, n'étaient que dans l'égoïsme. Hein. Pourquoi ne pas dire tout de suite 100% ou 90-10? Mais parce que pour quelqu'un qui était auparavant uniquement STS, à son propre service, ce n'est pas possible de passer d'un coup à la dévotion complète à l'alentour. Mais s'il arrive à équilibrer et que dans sa journée, il en fait un peu plus pour les autres qu'il en a fait pour lui-même, c'est essentiel, c'est bien, c'est déjà ça. Donc, vous pouvez continuer à vous baffrer, mais pensez à partager.
C'est une bonne nouvelle. Hein, la mauvaise nouvelle étant qu'il va falloir quand même changer et partager maintenant. S'occuper plus de l'extérieur, travailler pour le bien commun, le bien public, plutôt que pour ses propres finances personnelles ou son propre pouvoir personnel. Ou, voilà, hein. Voilà, ça c'était un message, pas spécialement d'ailleurs pour le public qui suit ma chaîne, hein, parce que moi je pense que nous on est plus dans les 80-20 ou 3/4, 1/4 ou encore mieux. Hein. Et puis quoi d'autre ? Ben voilà, il faut continuer à s'y mettre. Hein. Il faut continuer à agir et à faire ce qu'on peut à son niveau. Hein. Ça ne va pas être forcément de sortir dans la rue et de manifester. Ça ne va pas être celui qui peut donne des renseignements, met des adresses internet, met des liens, signale qu'il existe tel truc, met des posts plus positifs, fait en sorte que les choses aillent dans le bon sens avec ce qu'il peut faire. Hein, en commençant si possible par la relation au voisinage, le sourire, l'entraide, s'inquiéter, s'enquérir du bien-être des autres, et pas juste parce que c'est traditionnel, ça va, mais si ça va pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Se proposer, voilà, réparer des trucs qu'on n'avait pas réparés, des choses dans le genre, et faire en sorte que voilà, on met en pratique cette image que je dis, l'humanité peut planter les talons dans le sol, arrêter de se faire traîner par ces chaînes anciennes. Il n'y a plus les bœufs, et les bœufs ne tirent plus la charrue humaine, si on peut dire, les bœufs malsains. Hein. Et donc, les humains peuvent se libérer et œuvrer dans le bon sens, enfin. Bon, c'est très sympa, ça. Voilà, ben, bonne journée. Merci d'avoir suivi, bon courage et à très bientôt. Salut.